bienvenue dans cette nécropole de Chastres pour la deuxième partie de nos cérémonies commémoratives de la bataille de Gembloux, 70e anniversaire. Cette manifestation est placée sous la présidence de l'ambassadeur de France. Les couleurs belges et marocaines ont été hissées préalablement du côté de l'ossuaire. Cette cérémonie comprendra, bien entendu, le lever des couleurs françaises, le dépôt des gerbes et diverses interventions. Lever des couleurs françaises. Madame l'ambassadeur de France et Monsieur l'ambassadeur du Maroc, Excellence, Monsieur le représentant de Monsieur le ministre de la Défense du gouvernement belge, Monsieur le Général, Monsieur le Consul Général de la République de France, Monsieur le Haut-Commissaire du Royaume du Maroc, Messieurs les mandataires de l'ambassade du Maroc à vos titres et qualités, Monsieur le ministre d'État, Madame la ministre, Messieurs les représentants militaires attachés de défense de France et du Maroc, Madame la gouverneure de la province du Brabant Wallon, Messieurs les députés provinciaux, Monsieur le bourgmestre de Gembloux, Mesdames et Messieurs les échevins de Chastres et des communes voisines, Mesdames et Messieurs les mandataires de la province fédéraux, régionaux, provinciaux et communaux, à vos titres et qualités, Messieurs les commandants militaires des provinces de Namur et du Brabant Wallon, Monsieur le Président et les membres du comité franco-belge pour la commémoration de la bataille de Gembloux, Messieurs les officiers, Monsieur le lieutenant-colonel Noël et par ailleurs conservateur du formidable musée français de Cortine-Noirmont, Monsieur le Commissaire,
messieurs les présidents, les membres et les porte-drapeaux des différentes associations patriotiques ici présentes, amis français, marocains, belges et autres, qui êtes venus ce matin vous recueillir sur ce morceau de terre française en Wallonie et à Chastre en particulier, où reposent vos compagnons, vos parents, vos amis, qui ont donné leur vie pour notre liberté. Chers membres de notre conseil communal des ados, chers enfants, mes chers concitoyens, cela fait maintenant 14 ans que j'ai le plaisir de vous accueillir ici à Chastre, sur cet hectare de terre française situé en plein cœur de ma commune. Pour la commémoration de la bataille de Gembloux, dont la majeure partie se déroula dans le décor qui nous entoure, voici tout juste 70 ans. Bien que depuis 1996, les conflits, les guerres et les faits divers plus violents et plus meurtriers les uns que les autres m'obligent à vous entretenir du danger que trouve notre démocratie et notre liberté, jamais, jamais, mes chers amis, je n'aurais cru devoir vous parler au cœur même d'une crise institutionnelle et d'une crise économique sans précédent. À tel point que nos concitoyens devront une nouvelle fois se rendre aux urnes le mois prochain, de par la faute d'un chef de parti sans scrupules qui n'aura pas hésité l'ombre d'un instant à prendre la stabilité du pays en otage pour se faire un nom dans sa communauté. Voici donc qu'après Alexandre le Grand et Alexandre le Bienheureux, nous découvrons Alexandre l'Inconscient. Mais qu'il sache donc que la scission de notre pays est rejetée par une large majorité de nos concitoyens et que c'est une véritable insulte à tous ceux qui ont écrit avec leur sang le livre de notre liberté ici même. Leur devise était « L'union fait la force » et pour eux, BHG probablement « Bravoure, honneur et victoire » n'en déplaise à ceux qui l'écrivent aujourd'hui tout autrement. Le vote impératif de tous les Belges qui se respectent dans le temps moins d'un mois devra prouver à ceux qui prônent le changement radical qu'en lieu et place de qualité de vie et de liberté, ils vont tout simplement prôner douleur et souffrance. Il est grand temps de rassurer cette société où l'incertitude, l'angoisse et l'insécurité s'installent petit à petit, prenant le pas sur une qualité de vie correcte, une liberté, sans la moindre équivoque. C'est le devoir de ceux qui sont bientôt au pouvoir. Il nous faut, sans la moindre relâche, aucun des 750 élèves qui fréquentent les écoles de l'entité de Chastre ne peut ignorer ce qui s'est passé ici en mai 40, ne fût-ce même que dans les grandes villes. À quand donc un cours de civisme obligatoire inclus dans les programmes scolaires? Je le prône depuis 10 ans, ce n'est pas superflu, c'est nécessaire, il est peut-être même déjà trop tard. C'est pourquoi je me félicite de la participation à cette cérémonie de notre conseil communal des ados. Leur action dans la mémoire du souvenir me réconforte pleinement, car ce sont eux, les futurs organisateurs de ces manifestations comme celle d'aujourd'hui, 140 à 15h, près de la gare de Chastre, au moment précis où les derniers rescapés de la première compagnie du 110e sont faits prisonniers par les Allemands. Je regarde l'heure à ma montre. Il est environ 15h. De notre cave, nous entendons les bombes et les obus tomber dans un tonnerre infernal. Vivons ainsi dans cette anxiété pendant 2 heures environ. Les fusils mitrailleurs français se sont tus et les Allemands avancent en grand nombre. Puis c'est la minute inoubliable. Le capitaine, jugeant qu'il n'y aura pas de contre-attaque, s'est rendu à son poste de commandement qui était dans une cave voisine et nous fait appeler pour en faire autant. Nous sommes une quinzaine dans la cave et en sortant nous nous trouvons dans la cour de la ferme, devant les mitraillettes et les revolvers braqués sur nous. Nous n'avons pas le faire puisqu'il vit encore et que j'espère malgré tout qu'il en sortira grâce à sa forte constitution. Et c'est peut-être là mon erreur. C'est peut-être ça pour qu'elle lui m'appelait. Il composait l'armée française, qu'il fût français, tunisien, sénégalais, algérien ou marocain. Leur sang n'avait qu'une seule et même couleur. Et il n'avait qu'un seul but. Et pour les nos compatriotes, face au déferlement de la paix.